Coucou, c'est Emma11 pour cette cinquième vidéo. Et oui, déjà. Pour moi, ça a duré peut-être, je sais pas moi. Non, en fait, hier j'ai enregistré la première et la deuxième, plus la publicité du Fantab Friends. Et maintenant, j'ai fait la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc voilà. Pour vous, ça va durer longtemps, mais pour moi, ça dure pas longtemps. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pas vraiment tuto, mais oui, tuto pour faire une petite tour de guet, enfin une tour de guet mince, pas grosse, et avec un truc plus petit. Et là, c'est gigantesque. Donc voilà, on va commencer. Donc la forme, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc là, encore une fois, vous mettez la stone parce que il va falloir mettre une porte. Mais pour changer, et comme on est du côté pauvre, on ne va pas mettre une porte en fer. Et non, ce sont les pauvres, les blancs. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre une porte en bois. Donc voilà. Alors, et là, je me suis habillé pour le coup. Je sais plus si je l'avais dit, mais en fait, je mets pas de skin. Parce que ben, je vous prépare une surprise, notamment, j'espère si ça marche, parce que ces derniers temps, il y a un mauvais, je vais pas dire une mauvaise ambiance, mais oui, une mauvaise ambiance sur le forum, sur jeuxvideo.com, donc de ce jeu, dont je compte faire un serveur. Donc je sais pas si je vais le faire, du coup, parce que ça peut quand même être assez emmerdant, parce que j'étais parti en vacances en fait, 2 semaines, donc les 2 premières semaines de juillet. Et comment j'ai retrouvé mon beau petit forum? Ben, c'était nul quoi. Le forum n'était même plus bien, il n'y avait plus des gens bien. Il y avait plein des gens que je connaissais avant, qui étaient avant sur le forum, qui n'étaient même plus déjà là. Il y avait. Une fois, il y avait plein de nouveaux, et c'était ces nouveaux qui foutaient la merde sur ce forum. C'était sur un forum de jeuxvideo.com, et j'avais justement envie de dire, ah ouais, je fais un truc Minecraft, venez sur ma chaîne, quoi. Allez, non, oui, venez sur ma chaîne, mais aussi. Voilà, si vous jouez à Minecraft, ben dites-le moi et tout. Ça pourrait être chouette qu'on joue ensemble et tout. Faire justement un serveur de ce jeu. Je vous dis pas quel jeu c'est, hein. Vraiment, j'ai pas envie de le dire. Donc après, est-ce que je vais le faire ou pas? Mystère. Donc voilà, là vous voyez aussi que j'utilise des pressure plates en bois et pas en pierre. Parce que les blancs, ils sont moins riches aussi, hein. Donc voilà. Et là, ben, on va mettre une échelle. Et quand on a déjà mis une pressure plate ici, on ne pourra pas mettre une échelle là. Donc il faudra commencer à partir d'ici. Et il faudra sauter donc. Y a des loups. Mais j'en ai déjà assez, hein, dit. Par contre, le fait était juste épique. Vous voyez ça? Oh là là, le total, la totale contrôle. Oh là là là. Ça, je vous dis, ça fait mal. Non, non. Je rigole, hein. C'est pas du tout extraordinaire ce que je viens de faire. Ah oui, désolé. Désolé, la musique est beaucoup trop forte par rapport à ma voix. Écoute, comme ça on l'entend quand même encore un tout petit peu, mais faut pas que ça gâche non plus mes vidéos, hein. Faut arrêter de déconner. Bon, comme la tour de guet précédente, il faut que je compte. À partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Je pense bien que c'était 7. J'espère que c'était 7. S'il te plaît. Je viens de regarder. Oh putain. Et je me dis encore avant la vidéo. S'il te plaît, Emma, n'oublie pas de mettre le chronomètre. Eh ben, vous savez ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même oublié. C'est pas possible. Mais, je le fais vite, quoi. Hop, je vais même... Donc si après, il y a en plus encore un fail, ça va vraiment pas du tout aller, quoi. Hop, 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 hop. Oui, je sais, je dis beaucoup hop. Ou... à un moment, j'avais même plagié Bob Lennon, j'avais dit Poupidou. Mais c'est parce que lui, il dit ça dans ses vidéos, donc... après, moi, je trouve ça tellement rigolo, et puis moi... Voilà. Surtout que moi, je réfléchis pas. Hein. Quand je veux dire quelque chose, je le dis, point barre. Voilà. Donc... j'espère que ce sera bon. Si, parce que je n'avais pas trop expliqué non plus pourquoi j'avais fait les... Allez, j'avais pas voulu mettre les demi-dalles directes. C'était en fait pour la simple et bonne raison que je voulais terminer sur une demi-dalle. Donc sur chaque coin, ben, il y avait une demi-dalle. Et pas un bloc complet, quoi. C'était pour ça que j'avais fait cette ellipse de putain de merde. Pardon. Encore, désolé pour mes gros mots. Non, mais c'est vrai, c'est... Je vous comprends, hein. Après, il y a des gens sur YouTube et ils disent un grand mot. Il y a des gens qui lui disent « Ah ouais, tu dis trop de grands mots, c'est un petit peu moins vulgaire dans tes vidéos. Celui qui fait ses vidéos, ben, il va se reconnaître. Ellipse. Fin de l'ellipse. Voilà. Donc j'ai changé. J'ai raccourci le truc. Voilà. Allez. On met une demi-dalle. On met une demi-dalle. On met une demi-dalle. On met une demi-dalle. Et puis voilà. On met une demi-dalle. 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 Demi. Je croyais que j'allais tomber. Ça aurait été la merde. Alors, à l'instant où j'enregistre mes vidéos, en tout cas cette vidéo, j'ai déjà uploadé les deux premiers épisodes. La pub sur le Fantab of Friends n'est pas encore mise non plus. Mais... j'ai remarqué quelque chose sur mes vidéos que je suis le seul à avoir regardé mes vidéos pour l'instant. Voilà, c'est dit. J'ai osé le dire. Pour l'instant, donc personne n'a regardé mes vidéos. J'ai déjà 13 vues. C'est moi qui ai déjà actualisé 13 fois la page. Et sur l'autre, ben, j'ai que 2 vues parce que j'avais pas envie d'actualiser non plus 13 fois. Mais je compte le faire. Je compte le faire maintenant. Je vais encore avoir du temps et tout. Calme. Et je vais le faire pendant après cette vidéo. Pendant que je fais le montage et tout. Parce que j'enregistre, alors je le dis direct, j'enregistre avec Fraps, qui est un très bon logiciel, qui a une version d'essai, juste à faire chier, non mais juste vraiment qui fait chier, parce que il n'y a aucun bon truc, la vidéo s'arrête après 1 minute, et puis ben, pour éditer le fichier et tout, je vous dis, je fais pas des montages non plus de ouf de voilà. Par contre, ce que je dois faire absolument, c'est alléger le truc de la vidéo. Donc
la taille de la vidéo. Et ça, je le fais grâce bêtement, mais alors là, vraiment bêtement, avec Windows Live Movie Maker. C'est vraiment tout bête, hein. C'est tout bête. Parce que, en fait, je ne trouvais pas l'option HD sur. Sur Vegas Movie Studio, en fait. Parce que j'avais essayé la version d'essai. Et bah, ça m'avait pas plu. Et vous vous rendez compte, on est déjà presque à la fin de la tour de guet. Oh, c'est génial tout ça. Mais on est déjà à la fin de la tour de guet. Je vous avais dit hein, que ça durait moins longtemps. Mais je pense que là j'ai abusé, que je l'ai fait trop petite en fait. Beaucoup trop petite. D'un côté c'est bien, c'est plus compact, c'est plus. Bien sûr, je suis parti du mauvais côté. Carrément, et j'étais devant le truc quoi. J'étais devant le truc. Alors, c'est vraiment trop petit. J'ai fait beaucoup trop petit. Eh ben oui. Mais bon, d'un côté, ça fait beaucoup plus cosy et tout. Donc, ben c'est fini déjà. Eh ben oui. Donc, on va voir ce que ça fait. La tour de guet d'en bas. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment super petit et à la limite j'aime bien justement ce format, donc pas en étoile comme ça. Allez, pas en étoile, pas en losange. J'aime bien justement là vraiment un bord comme ça. Donc voilà. C'était donc cette cinquième vidéo. Donc encore une fois, je vous recommande de regarder mes vidéos en HD, donc en 720p. Je le fais exprès pour vous, sinon je pourrais le faire en 480p et ça me prendrait beaucoup moins temps à l'uploader. Pour vous, je le fais en 720p, donc regardez en 720p, surtout que en 400, bon peut-être pas en 480p, mais en 360, je pense, on ne voit pas bien les matériaux que j'utilise en bas. Donc voilà. Donc je le fais pour vous en 720p, donc regardez. Parce que c'est beaucoup mieux. Et surtout, abonnez-vous, je n'ai encore jamais demandé. Abonnez-vous vraiment, ça me ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mettez plein de pouces verts. Je suis contre les pouces rouges. J'aime pas le rouge, j'aime bien le vert. J'aime vraiment pas le rouge. J'aime beaucoup le vert, non. Vraiment. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez mettre du vert, mais pas du rouge, j'aime pas le rouge. Si encore c'était un pouce bleu vers le bas. Je vous aurais dit, ah ouais, faites quand même. Non, j'aime pas le rouge. Je préfère le vert. Donc mettez des pouces verts. Abonnez-vous. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Eh ben voilà. J'ai tout dit. Regardez en HD. Abonnez-vous. Donc voilà. Et donc, sur cette magnifique pleine lune, ben, c'est sur cette magnifique pleine lune qu'on va se quitter. Eh ben oui. Donc, à dans un sixième épisode où je commencerai avec le côté mystère. Salut!